Peut-être que quelqu'un va pouvoir récupérer les pièces. Sinon, il sera bon acheter à la poubelle ou bien à... À quoi? Je sais pas moi, à faire des folies peut-être. Je suis le grand bambou, le bambou qui fait le bambou des petits fous, le bambou de sac, recette et bambou. Tu es drôle, papa. Est-ce que je peux jouer avec le micro moi aussi? Non, Bakou, pas ce soir, il est trop tard, il est l'heure d'aller où? Oh, s'il te plaît, mon petit papa, juste un tout petit peu. D'accord, mais seulement 10 minutes. Il faut que j'y retourne, sinon on n'aura jamais terminé ce soir. Merci, papa. Il est tard, Bagou. Va vite te coucher, c'est l'heure du dodo. Brancher le micro. Regarde, c'est facile. On le branche ici. J'avais pas vu le petit trou. Papa, est-ce que je peux encore jouer? Mais oui, mon bagounet. J'avais dit 10 minutes. Il en reste sûrement encore 8 bonnes minutes. 8 minutes, c'est beaucoup. Allô, allô. Ici, Bagou, le Bagou, le Bambou, qui fait Bagou et Bambou, Bagou, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai demandé d'aller te coucher. Mais maman... Il n'y a pas de mais, maman. Allez, oust. Quand je vais revenir, je veux que tu sois dans ton lit. Oui, mais papa, il a dit que je... Maman me chicane, Dodo. Papa, il a dit oui. Alors, mon petit bonhomme, tu t'amuses bien? En fait, ça, il reste encore quelques petites minutes. Oui. Je ne comprends plus rien, Dodo. Moi, je veux jouer. Mon papa, il a dit oui. Mais ma maman, elle... Elle ne veut pas. Je ne sais plus quoi faire, moi. Enseigne-moi les affaires de deux. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Je veux pas dormir. Assieds-toi, Paco. Pourquoi tu veux qu'on fasse dodo? Je peux jouer. Xavier, il faudrait que tu te couches, papa. Il commence à perdre un petit peu de patience. Non! Bon, se couche. Non! Très, très tard. Je veux pas me coucher, Dodo. J'ai envie de jouer, mais là, je sais plus quoi faire. Mon papa, il veut... Mais ma maman, elle ne veut pas. Je vais tout mêler. Non, Bagou, c'est l'heure du dodo. Mais oui, Bagou, parle, amuse-toi. Qu'est-ce que j'ai dit, Bagou? Va tout de suite te coucher. Tu peux encore jouer 5 minutes. Profite-en. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui, non, Bagou, oui, qu'est-ce que tu fais encore de vie?
je suis allée déjà. Je n'aime pas ça qu'on vous dise pas la même chose. Je sais plus quoi faire, moi. Mon pauvre Bagou, je comprends que tu sois tout mêlé. Ton papa dit oui, et moi je dis non. Tout à l'heure, il m'a demandé s'il pouvait jouer un peu. Alors moi, je lui ai donné la permission de rester debout pendant 10 minutes. Mon pauvre Bagou, et moi je t'ai grondé parce que t'allais pas te coucher. Je n'aime pas ça. Je comprends. Excuse-moi, mon bonhomme. Ton papa et moi, on va essayer que ça ne se reproduise plus. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que je peux jouer? Peut-être encore 2 petites minutes. Je préférais qu'il aille se coucher tout de suite, Bambou. Avec tout ça, il est déjà tard et... Et quand tu te couches trop tard, Bagou, t'arrives plus à te lever, ma belle. C'est vrai que quand tu ne dors pas assez, tu es de mauvaise humeur toute la journée. Puis en plus, t'as une grosse journée demain. On doit aller à la bibliothèque tous les deux chercher des livres et ensuite tu vas au parc avec Tibor et sa maman. Oh, c'est vrai, j'avais oublié tout ça. Ta maman a raison, mon petit bonhomme. J'aurais pas dû te donner la permission de rester debout. Mais je voulais jouer avec le micro, moi. Je n'en ai pas des jeux comme ça. Si tu veux, tu pourras jouer avec demain. Demain, le camion va venir les chercher. Ah oui, c'est vrai. On pourrait peut-être les garder un jour de plus. Qu'est-ce que tu en penses, Bambou? J'ai une autre idée. Plutôt que d'envoyer le micro et le magnétophone à la récupération, on pourrait les donner à Bagou. À moins que tu n'aies une objection. Oh non, je ne vois pas pourquoi. C'est une excellente idée. Je peux les garder? Oui. Je peux les amener dans ma chambre? Oui. Merci. J'aime ça quand vous dites la même chose. Bonne nuit. Bonne nuit.